Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur le jeu Les Schtroumpfs Mission Malfeuille. On se retrouve avec le troisième épisode du Let's Play, désolé pour la petite notification. On va continuer notre aventure, tout simplement, rien de compliqué. Je sais même plus où on s'était laissé la semaine dernière, mais il me semble qu'on s'était laissé au village. Bon, d'ailleurs, il y a marqué le village, donc ça doit être ça. On a testé notre arme, notre vaporisage Schtroumpf, pour détruire la malédiction. Et on doit récupérer des Schtroumpfs qui ne sont pas rentrés, qui n'étaient pas au village, me semble-t-il. Voilà, on doit rejoindre le Schtroumpf bricoleur dans la forêt. Parle au grand Schtroumpf. Il y en a de nouveau ? On n'avait pas déjà nettoyé le village ? Genre, faut le faire à chaque fois ou... passe comment? Quel intérêt de venir là? Aucun. Par contre, si on doit redécontaminer le village à chaque fois, c'est un peu bête. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Bonjour, grand Schtroumpf. Comme vous le savez, je me suis porté volontaire. Ah, mais on n'est pas le même, on est le Schtroumpf à lunettes. Mais il me manque des informations. J'avais pas vu. Oui, bien sûr. Schtroumpf jusqu'aux sources d'Aqua Magnifica, dans le camp du Schtroumpf sauvage. Mais va d'abord voir le Schtroumpf bricoleur dans la clairière. Il répare le pont suspendu menant au camp de notre cher ami. Très bien, j'ai mémorisé vos informations avec la plus grande attention, grand Schtroumpf. J'espère que le Schtroumpf bricoleur aura terminé. J'espère que tu Schtroumpf bien. Quel plaisir d'avoir la confiance du grand Schtroumpf. Cela dit, c'est normal. Je suis son bras droit, n'est-ce pas? Je vois déjà un défaut au jeu. Bien les missions qu'il m'avait confiées. On incarne des Schtroumpfs différents, mais c'est absolument le même gameplay. C'est un peu dommage. Ça aurait été l'occasion justement de varier les plaisirs. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je trouve ça un peu dommage quand même. Il faut vite que je rejoigne le Schtroumpf bricoleur dans la clairière. On va nettoyer la zone, hein, si déjà on est là. Ah, ennemi. Oui, on a compris. Oula. J'ai pas tout compris. Beaucoup de caisses là à casser. Mais que s'est-il trompé ici? Les malboules nous ont attaqués. Moi j'aime pas les malboules. Ok. Où sont-elles? Je vais leur schtroumpfer une bonne leçon. Elles sont parties. Elles ont bloqué le chemin en schtroumpfant un éboulement. Ok. On va réparer moi, tout ça. Si je prenais de la hauteur, je pourrais avoir assez de force pour casser la structure. Ah, faut le faire de là-haut. Coucou, tout se passe bien. J'imagine que je vais passer par là. Let's go! Allô, grand Schtroumpf? J'ai réussi à ouvrir un passage pour les Schtroumpfs! Ah, très bien, Schtroumpf à lunettes. Tu vas. Attendez, je raccroche, je crois que j'ai de la compagnie. Voilà. Ah non, je fais pas les 13 trucs. Hein. Je nettoie, mais pas ça. Hein.
Navré de vous avoir accroché au Schtroumpf. J'ai eu une visite inattendue, mais j'ai réussi à m'en sortir, comme vous le voyez. Oui, je vois ça. Bon, que voulais-tu me dire? Tout ce Schtroumpf comme okay. Il faut? Oui, les Schtroumpfs vont pouvoir rentrer au village. Le gameplay est un peu répétitif en vrai. Hein. Je te laisse avancer tranquillement. On est qu'au début de l'aventure. Ah, c'était un truc comme ça, j'avais pas fait gaffe. C'est raide, hein, comme chemin. Qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais j'ai glissé. T'es sérieux? Ah, c'est pas des cadeaux comme la dernière fois, comme la semaine dernière. Hop, on purifie. Super! Oui, génial! Ok, ça devrait le faire. On va aller par là. Ouais, c'est là. C'est là la suite. J'étais pas sûr. On va aller décontaminer ici. Hop. Youpi ! Moi, j'aime bien le principe de décontaminer la zone, hein. Ça, j'aime bien. C'était pas une critique hein, quand tout à l'heure je disais que ça se répète un peu, parce que cette partie-là, j'aime bien. Mais en fait, c'est dans le sens où on a un personnage différent, on a un autre Schtroumpf, mais on fait la même chose. C'est dommage qu'ils ont pas poussé le concept, en fait. T'as un autre Schtroumpf, bah, peut-être que lui, il va sauter plus loin, ou moins, ou... Enfin, vous voyez, je dis peut-être des choses bêtes, mais j'aurais trouvé ça bien. Tout eu ? Ouais, j'ai tout eu. Hop, ici aussi. Donc on regarde si on peut pas acheter des trucs avec les... Bon, si c'est des cosmétiques. Enfin, cosmétiques. Je me comprends, genre des skins et tout. C'est-à-dire que je m'en fiche un peu, en vrai. C'est des compétences, ça peut m'intéresser. Même si pour l'instant, je ressens pas le besoin d'améliorer quoi que ce soit en termes de compétences. Le jeu n'étant pas difficile. Mais il est infini, celui-là, et... Sérieux? Ok, tout ça pour ça. On n'a toujours pas trouvé notre ami le Schtroumpf bricoleur. Cette malboule est beaucoup plus grosse que les autres. Ou alors il faut que je change de lunettes. Ça lui fait rien ou quoi? Ah, c'est juste plus long. C'est bien, ça va monter entre guillemets la difficulté, mais... Quand on joue pas ce jeu pour que ce soit difficile, hein. On s'attend pas à ça, quoi. Allô, il y a quelqu'un? Allô, Schtroumpf à lunettes? C'est moi, le Schtroumpf Beta. Oh non, il ne pourra jamais m'aider. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a explosé? Avec une croix Schtroumpfée sur le sol, juste à côté. Un cadeau pour moi? Il y a quoi dedans? Oh, c'est pas gagné. Rien. C'est probablement encore une mauvaise blague du Schtroumpf Farceur. D'ailleurs, où est-il? Ça semblait plus un piège qu'une blague. À voir. Allez.
J'ai pas fini, j'ai dû louper un bout en fait. Ah oui, d'accord, ok. Je comprends mieux, j'ai envie de passer par là. Est-ce que ça m'a ouvert exactement? Ah, raccourci, ok. Par là que je dois aller? Ah ouais! Ouais, carrément. Il y a un autre ici. Il y a quand même des chutes de FPS dans un jeu comme ça. C'est vraiment pas normal. Hein. Il y a un manque d'optimisation qui est pas acceptable. Oui, y a quelqu'un ? Hein ? On dirait la voix du Schtroumpferseur. Allons voir ce qui se passe. Soit c'est une farce, soit il s'est fait attraper. Allez. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est nouveau le même ennemi. C'est le même ennemi que l'autre fois quand on jouait bricoleur. Non, d'un Schtroumpf. C'est Schtroumpfement contaminé par ici. Et en plus, il y a une maltrape. Il faut que je me dépêche avant que Gargamel n'arrive. Je suis en train de tout nettoyer. De... Moi, je fais mon truc tranquille alors que j'ai des ennemis. Et la maltrape s'ouvrira. Oh, j'ai failli tomber. Voilà. De rien. Sans toi, Gargamel aurait pu me retrouver et me capturer. Oh, ça aurait eu l'air d'une mauvaise blague. Tu peux m'expliquer comment tu t'es retrouvé dans cette situation? J'ai vu ton cadeau ouvert et la marque sur le sol là-bas. J'ai voulu faire une blague au Schtroumpf. Ça, on avait compris. J'avais préparé un cadeau qui devait lui tomber dans les mains quand il marcherait sur la croix. Ça n'a pas été facile de mettre au point, tu peux me croire. Je te crois, Schtroumpferseur. Sauf qu'au moment où j'ai voulu partir me cacher, une malboule a surgi de nulle part et m'a fait sursauter. Du coup, j'ai marché sur la croix et mon propre cadeau m'a schtroumpfé à la figure. Karma. C'est les schtroumpfés qui croyaient schtroumpfés. Je regrette de ne pas avoir vu ça. J'ai paniqué. Ok, on a compris. On nettoie la zone, enfin ce qu'il reste. On a déjà fait une bonne partie. Est-ce qu'il reste des choses? Ouais, par là, je m'en doutais. Va pouvoir schtroumpfer au village. Je peux continuer mon chemin. Nickel. C'est vrai que quelqu'un qui s'en fout en fait de la contamination et qui veut pas récolter les œufs ou décontaminer toutes les zones, il rush le jeu mais vraiment rapidement. Hein. Je passe comment là? Il y avait un truc que j'ai loupé. Hein. De plus en plus complexe ces trucs là. Ok, c'est comme ça que je passe.
Je sais que j'ai laissé des trucs en bas, mais on va avancer un peu. Il ferait une sérénade sur cette jolie cascade. Tiens, je pourrais faire un gros splash sur les champignons et me propulser encore plus haut dans les airs, n'est-ce pas? Ouais, c'est passé. Donc on peut rebondir encore plus haut avec les champignons en faisant ça. Intéressant. Allô les amis, il n'y a plus de radeau au ponton. Il n'y a plus de radeau au ponton? C'est un code? Non. Comme les carottes sont cuites? Non, ce n'est pas un code. Notre radeau a disparu. Le schtroumpf bricoleur a dû le prendre pour traverser la rivière. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. Ne t'inquiète pas, schtroumpfette. Je vais schtroumpfer un autre moyen de traverser. Pas plus tard. Donc le schtroumpf bricoleur, on l'a toujours pas rejoint. On espère qu'il va bien. C'est le perso qu'on utilisait en plus avec lequel on a joué la semaine dernière. Non? Non, on avait le costaud, j'ai une grosse connerie, pardon, excusez-moi. On n'a pas joué le bricoleur. Super. Voilà. Oh, popo, j'ai cru que ça passerait pas. Ça m'emmène où, ça? Oh, ok. Ça m'évite de refaire le saut si j'ai pas envie. Hop. Décidément, il y a vraiment de la contamination partout. Ouh. Aïe. Oh, je reprends là en plus, c'est vrai. Comment on passe là-bas? Ah, d'accord, bon, on s'en fout en fait. Continuons par là. Mais je tourne en rond. Par là-bas que je suis censé aller. Donc en fait c'est peut-être quand même... J'ai même pas eu le truc là-haut. Comment je suis doué. Je me disais que j'avais pas fini cette zone. Vu qu'ils savent pas nager, quand même assez dangereux de venir dans cette zone de la map pour un schtroumpf. Allô les amis, je viens de trouver les restes du radeau. Oula, ils sont défoncés, oui. Il a été mangé? Non, détruit. Il n'y a plus que des débris éparpillés dans l'eau. Tu penses pouvoir les re-schtroumpfer? Non, je n'ai pas de colle ni de pouvoir magique. Et surtout, je ne suis pas le schtroumpf bricoleur. Pas faux. À ce propos, il est où celui-là? Bonne question. Bon, il manque un marteau dans la caisse à outils. Et j'en ai besoin pour re-schtroumpfer le pont cassé. Il doit être dans les parages. Voyons voir si je peux le retrouver. Libère le marteau, ça veut dire qu'il est... Oh, ils sont recontaminés presque aussitôt. Je pourrais schtroumpfer un gros splash de très haut. Peut-être qu'ils n'auront pas le temps de se recontaminer. Ah, c'est comme ça qu'on fera cela. Enfin, on a la solution. Oh, je l'ai vu au dernier moment, lui. Oh là, oh là, oh là, détends-toi, mon gars. Wouhou ! C'est là ? Du coup, j'ai réussi. Ah, c'est là qu'il y avait le marteau. Je peux passer maintenant.
Tiens, bon, Schtroumpf bricoleur, j'arrive. J'ai récupéré le marteau ou pas? Bon, je vais présumer que oui. Voilà. Je vais récupérer ça. J'ai l'impression que je dois aller par là. C'était bien le cas. Allô, grand Schtroumpf. J'ai retrouvé un Schtroumpf emprisonné dans une maltrape. C'est terrible. Encore un ? Vite que tu le libères. Gargamel. Mais c'est qui ? À n'importe quel moment pour le capturer. Je vois quelques cœurs de la maltrape à soigner. Je vais m'en occuper grâce au vaporisage Schtroumpf. Bon courage, je compte sur toi. J'ai pas vu quel Schtroumpf, hein. Peut-être qu'on le voit pas d'ici. Bon, tu vas te calmer, toi. Aïe, t'es sérieux? Ah, ils sont trop longs, en fait, faut les taper, enfin, vaporiser, esquiver leur coup, revaporiser derrière. Aïe. Ah, faut que je fasse gaffe à ma vie, parce que là, j'ai pas trop fait gaffe. J'ai jamais pris autant de dégâts. C'est bon, j'en ai repris de la vie. Ah, je peux monter par là, d'accord. J'étais en train de me dire, les ennemis d'après, ils sont où? Youpi. Non, nous, on venait de là. On n'en est pas allé ici. Tu commences à me saouler, toi qui me suis discrètement. Je me disais, j'entendais un truc et je voyais rien. Moi, je vais là-haut. Je sais pas. J'ai déjà faire l'autre là-bas. On est à 9 sur 11, c'est déjà bien. La question, c'est comment je le rejoins. Ok, c'est par là. Et le dernier. Mais je suis toujours à 9 sur 11, c'est quoi cette arnaque? Ils sont là-haut tous les deux, d'accord. Mais faut que je trouve comment y aller, sans doute en faisant le tour. Ah non, je suis bête, c'est ma faute. Faut lui sauter dessus d'abord. Voilà. C'est lequel de Schtroumpf qu'on sauve? Ah, c'est un Schtroumpf lambda, quoi. Tu retrouvais dans cette situation. Une maltrape nous a attaqué dans la clairière. Le Schtroumpf bricoleur s'est interposé.
Et je me suis mais il est passé où? Tout ça pour me faire capturer ici juste après. C'est pas de chance. Et le schtroumpf bricoleur? Je ne sais pas. J'ai pas besoin de retourner. En tout cas, je ne l'ai pas. La clairière. Où est passé Bricoleur? Bricoleur! Oui! Allô les amis? Vous me schtroumpfez? Ici le schtroumpf costaud. Tu appelles parce que tu t'es cassé la schtroumpf. Pas du tout. Quelle mauvaise langue. Je le dirai au grand schtroumpf. J'appelle pour schtroumpfer que j'ai sauvé l'un et l'autre. Vous pouvez être fiers de moi. Mais j'ai une mauvaise nouvelle. Le schtroumpf a été schtroumpfé par une maltrape. Mince alors. Il faut que tu le sauves avant que Gargamel ne le trouve. Ne vous inquiétez pas. Je pars de suite à sa recherche. Et dites au grand schtroumpf que je schtroumpf bien ma mission, n'est-ce pas? Oui, oui, on lui dira. Je pense plus à sa récompense qu'à sa... qu'à sauver son copain en fait. Génial. Hop. Oh, c'est chiant de se tourner quand on est en train d'asperger. Aïe. Par la barbe du grand schtroumpf, les plantes contaminées font schtroumpfer le pont suspendu. Ils étaient nombreux là. Oh mais... tu m'emmerdes. Hop. Je sais pas si je vais au bon endroit, la zone est vaste. Là-haut, sur le pont suspendu, je dois aller sans doute. Par là, ok, d'accord. J'aimerais savoir à quoi vont me servir ces œufs. Il faudrait qu'on regarde quand on retourne au village. Que ce soit aujourd'hui ou mercredi, il faudrait qu'on sache quoi. Tiens, c'est quoi cette chose là-bas? Ce n'était pas là avant. Quoi donc? Mais t'es sérieux? Mais... peut-être voir ce qu'il a dit là, ce qui était pas là avant. Oh mais il y a un ennemi qui vient sur moi, tu me fais ça. Le pendu est encore cassé. Le schtroumpf bricoleur va encore aller. D'ailleurs. Il y a du boulot ici hein. On va devoir faire le tour s'il n'y a plus de pont. Oula, il y a beaucoup d'ennemis. Allô, les amis,
je viens de schtroumpfer un gros baril. Ici le schtroumpf cuisinier. Un gros baril, c'est-à-dire Un gros tonneau humain. Il y a un rouleau pâtissier et une cuillère dessinée dessus. C'est l'emblème du château Marmite, une grande école de cuisiniers. Eh bien, il vient sans doute de là-bas. C'est bizarre. On dirait que les humains ont cueilli de la salse pareille. Tu penses qu'ils en schtroumpfent? Mais non, on sait tous qu'ils détestent ça. Bon, je te laisse. J'ai rien compris avec le mot schtroumpf à toutes les sauces. Le schtroumpf bricoleur. Quel chemin schtroumpfé? Réfléchissons. Si le schtroumpf bricoleur est enfermé dans une malle-trappe, il doit être dans un endroit schtroumpfement contaminé. Ouais, on va tomber là où il y a les trucs, ouais, c'était sûr. C'était pour ça. Ça doit être long le 100% à récupérer tous ces trucs. Mais c'est bien Schtroumpf. J'ai effectivement trouvé l'endroit le plus contaminé. Voilà. Oh, j'ai eu chaud. J'ai cru que ça passait pas. Là, tu recommences au checkpoint. Donc, j'aurais dû refaire tous les sauts. Bon, les checkpoints sont quand même très réguliers. J'ai pas intérêt à me retrouver dessous lorsqu'elle frappe le sol, n'est-ce pas? T'as pas envie de me faire tromper comme une mouche? En plus, on dirait que je ne peux pas les soigner. On peut pas s'en débarrasser, mais on peut se débarrasser de ce qu'il y a autour. On voit rien. Ah, waouh, waouh, t'es sérieux? Allez, j'y vais. Allez. Schtroumpf bricoleur, tu m'entends? C'est moi, je viens te sauver. Schtroumpf à lunettes? Oh, merci, c'est pas trop tôt. J'ai bien cru que j'allais schtroumpfer ici pour l'éternité. Dépêche-toi, j'en peux plus d'être là-dedans. En plus, il y a plein d'horribles malbêtes partout. Ne t'inquiète pas, grâce au vaporisage Schtroumpf, elles auront bientôt disparu. Oui, mais il faut d'abord que tu soignes les cœurs contaminés de cette satanée maltrape. D'après le grand Schtroumpf, ça va l'affaiblir. Et comme ça, elle finira par me libérer. Les malbêtes sont schtroumpfées un peu partout dans la zone. Je vais te guider. Très bien. On a enfin trouvé Bricolo. Attention aux maltiges. Si elles t'écrasent, tu finiras tout écrabouillé. Ah ça y est, les ennemis sont là. Aïe. Mais il y en a combien qui... Ah d'accord, c'est leur nid. Je peux pas détruire le nid. Non, je vais aller là où c'est indiqué. Oh, je suis là-haut. Ok, ok. Ah, t'es sérieux? Oh là, attention! Ces choses sont dangereuses. Je n'ai pas intérêt à trop m'en approcher, sinon ça va piquer. Oh, ça, oh c'est pire en pire. Ah, là, y a, au niveau gameplay, ça reste globalement le même, mais au moins on monte en d'un cran en difficulté, quoi. En intensité. Ça, c'est bien.
parti! Plus qu'un cœur contaminé à schtroumpfer! Tu vas y arriver, schtroumpf à lunettes! Oh là, je nettoie pas toutes les, tous les trucs. Hein. Sinon, là, on s'en sort pas. Vous avez vu la taille de la zone, le nombre de trucs. Je dois vite trouver un moyen de le soigner. Comment j'y monte à ce truc? Par là. Je te vois plus, je trompe Falunette. T'inquiète, on gère. Alors tais-toi, n'est-ce pas? Oh, bien joué. Qui me trompe de me taire? C'est le monde à l'envers. Mais t'es sérieux? Plus haut. S'arrêter en plein milieu, j'ai pas rêvé. Ah, mais d'accord. Je viens de comprendre ce que je devais faire. Voilà. Ouais, une sacrée zone de contamination. Ah, oh, il m'a touché jusque là, saleté. Mais comment tu veux passer? Ça va trop vite. Ah, faut passer, moi, ok. Je crois qu'il fallait attendre là-bas, puis... encore loin. Ça y est, je te vois à nouveau. Je trompe tout droit. Le cœur contaminé est juste là. Ah, c'est ton... Hein? Arnaque. Pourquoi ça s'est arrêté là? On aurait pu continuer, hein. Let's go! On a libéré le Schtroumpf bricoleur. Rejoignons-le. Merci, Schtroumpf à lunettes. Tu as schtroumpfé un courage que je ne te connaissais pas. Et tu n'es pas au bout de tes surprises. Le grand Schtroumpf. Ça, c'est vrai. Fier de moi, j'en suis sûr. Je devais te retrouver près du pont qui mène chez le Schtroumpf sauvage. Oui, avant que cette maltrape me capture. Comme tu as pu le voir, je n'ai pas pu réparer le pont. Il y avait trop de contamination. En plus, j'ai perdu la moitié de mes outils en chemin. Oui, j'ai vu. Mais j'ai quand même retrouvé ton marteau. Par contre, je dois traverser la rivière pour aller chez le Schtroumpf sauvage. Et je ne sais pas comment. Oui, je comprends. Deux petites secondes, laisse-moi réfléchir. Même sans tout mon attirail, je peux te bricoler quelque chose. Donne-moi mon marteau. Je vais schtroumpfer quelques réglages. Tu es sûr de toi? Je ne suis pas très rassuré, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, je sais ce que je schtroumpfe. Et voilà le travail. J'ai l'honneur de te présenter en avant-première le Schtroumpfoplaneur. Tu pourras planer dans les airs et schtroumpfer tous les défis qui se présentent. Il te suffira de propulser du soin dès que tu en auras besoin. Je ne suis pas très rassuré par cette fonctionnalité. Allons, tu me connais. Mes inventions schtroumpfent toujours à merveille. Aucun souci. Je n'irai pas ça, n'est-ce pas? Mais je veux bien tester. Allez, à très vite. Je vais schtroumpfer nos amis pour qu'ils viennent te chercher. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire, là? En toi, chez le Schtroumpf sauvage. Ici le Schtroumpf à lunettes. J'ai de bonnes nouvelles. Ah, des bonnes nouvelles. Tu es sûr? Oui, j'ai nettoyé toute la zone et j'ai délivré le Schtroumpf bricoleur. Envoyez vite la cigogne pour le récupérer. Ça m'ennuie de te dire ça, Schtroumpf à lunettes, mais bravo. Et ce n'est pas tout. Moi, je passe. Schtroumpf bricoleur, je peux maintenant planer. Je vais schtroumpfer tout le village. Je vais pas mentir, je regardais mon téléphone pendant la cinématique. Ah, ça c'est bien, enfin le gameplay se renouvelle. Youpi, je vole. Ça s'appelle planer, mais c'est pas grave. Et je plane un peu plus près des étoiles.
Comment j'y vais là-bas? Hop hop hop! Ça serait bien aussi une touche pour courir. Ouais, ça me fait planer, mais ça me fait pas sauter plus haut. Hein. On va remonter par là, tiens. Je suis pas sûr que ça me serve en vrai. Ah, quoi que si! Maintenant, en planant là-bas, ouais, ça devrait le faire. Oh non, c'est vachement loin. Comment j'accède là-haut? Il va y avoir un endroit où grimper, hein. Ouais, par là, ok. Olé. Bon, je vais pouvoir schtroumpfer en planant au-dessus du pont cassé. Hop, hop, hop. Génial. Il est où le pont cassé? Ah oui, d'accord. Ça, c'est le... Ça nous remplit le réservoir. Oh, nickel. Autant sur le début de l'épisode, il y a des moments où je... Entre guillemets, je m'ennuyais, je tournais en rond. Autant là, ça change le gameplay, c'est vraiment intéressant pour le coup. Ding. Vivement que je retrouve le Schtroumpf sauvage. Il sera fou de joie de me revoir, moi, son mentor. Je lui ai un peu tout appris, cela dit, sans me vanter, n'est-ce pas? On peut aller par là ou... On va regarder ce qu'il y a ici. C'est-à-dire quel intérêt, mais si en planant ça passe. De toute façon, je pense que j'avais pas le choix, hein. C'est par là qu'il faut venir. Nickel. On a l'air d'arriver chez... Je vois la porte d'entrée. C'est parti. Chez je sais plus qui. Le camp du Schtroumpf sauvage. Bah écoutez les amis, on va se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. BTBA à tous et à bientôt.